Salut! Je vous emmène aujourd'hui à Nice, découvrir un restaurant pas comme les autres puisque c'est un restaurant franco-éthiopien. C'est rue de Lille, à proximité du théâtre. Ça s'appelle le Soleil d'Asmara. C'est tenu par Elsa et Virginie. Et je vous laisse avec Virginie qui va vous faire découvrir son restaurant. Bonjour, ça va? Ravie de vous accueillir ici au restaurant Le Soleil d'Asmara. Donc ce soir, on va vous faire découvrir notre tradition culinaire, surtout la cuisine éthiopienne. Donc c'est un restaurant qui est tenu par Elsa, ma mère, depuis 7 ans déjà. Elle est arrivée ici il y a 20 ans. Elle cuisinait pour beaucoup d'amis français et la maison suffisait plus. On lui disait, mais ouvre un restaurant, on veut être de plus en plus nombreux tous les soirs à manger. Et du coup, l'idée du restaurant est venue. Elle a voulu faire partager l'Éthiopie aux gens à travers des plats. Donc elle se déplace 2 fois par an à peu près en Éthiopie pour aller chercher les épices. Puis elle concocte des plats tous les soirs de la semaine, du mardi au dimanche, ici au restaurant. Donc on mange vraiment comme en Éthiopie, autant le goût, les saveurs, rien n'a changé, la façon de manger non plus, c'est toujours à la main, pas de couvert, pas d'assiette individuelle. Ce sont des grands plateaux avec des assortiments de viande et de légumes qui sont posés sur l'injera, la galette traditionnelle, notre pain. Et puis les épices viennent d'Éthiopie, du berbéré, du mitmita, épicé, relevé, mais ça n'arrache pas non plus. Et puis les fourchettes sont remplacées par des galettes qu'on coupe en morceaux pour en fait faire des pincées de nourriture. Alors ça c'est, qu'est-ce qu'on va manger? Alors on a un petit peu de tout, on a des quatenia. Donc le quatenia c'est des galettes roulées. Alors on a mis un petit peu de sauce épicée ici, au berbéré, le piment dont je vous ai parlé. Et un petit peu d'épinards à oignon ici. Et là, c'est azifa lentilles, donc ce sont des lentilles qui ont été broyées avec un petit peu de gingembre. D'accord. Et ça, voilà, c'est votre fourchette, c'est l'injera, le pain traditionnel. Vous déroulez, vous coupez un petit morceau et vous faites des pincées. Vous déroulez, voilà. Vous coupez exactement, pas trop gros, pas trop petit. Voilà. Vous le posez carrément, c'est ça. Et on fait une petite pincée, on referme surtout, voilà. Exactement. Et là c'est le fameux beyanatu, donc un assortiment, plateau découvert de viande et légumes, de 10 petits plats différents. Donc chaque légume ou viande est décliné en 2 versions, piquante ou non piquante. Donc là on a de la viande hachée, piquante et non piquante, des lentilles, piquante et non piquante, un peu d'haricots et d'épinards, avec le fameux poivre éthiopien. Là on a des lanières de bœuf non piquantes, elle va rajouter des piquantes, ainsi que les poulets. On va le mettre dans un pot en terre cuite. Ouais. Donc le pot en terre cuite. Avec une bougie, donc la viande continue à chauffer en dessous. Presque fini, sauf qu'il faut un petit peu de légèreté, donc on va rajouter du fromage blanc. Du fromage blanc. À mélanger avec tout ce qui est rouge pour adoucir un petit peu l'effet piquant. Ouais. Un petit peu de salade et du riz. On va ajouter comme ça. Et c'est plein de couleurs. Alors ça, c'est la mise en place pour la cérémonie du café. Exactement. Donc là, on a les graines vertes qui manquaient à l'Éthiopie. Ils ne sont pas encore torréfiés, donc ils ont une couleur verte qui n'ont pas encore d'odeur. Puis on va les griller dans une petite casserole, elles vont devenir noires. Il va avoir une odeur qui s'émane qui est très sympa. Elles vont être toutes brillantes. Puis on va les mettre dans un appareil qui va les mixer. Alors je vais vous montrer ça. Une petite casserole très traditionnelle. De charbon aussi. Donc elles grillent dedans. Elles deviennent noires, brillantes, et c'est de là que se dégage l'arôme. Ouais. Vous voyez la différence. C'est dans ce djebonala, cette jarre en terre, qu'elle va bouillir pendant une quinzaine de minutes. Et quand le petit piquet en bois va se relever, en fait, on va savoir que le café est prêt. La mare va se reposer en bain délicatement. Et le café lui-même va être en haut. On va pouvoir le servir dans les tasses traditionnelles éthiopiennes. D'accord. Ce serait que l'Éthiopie est l'un des pays du café. Ah oui, la graine moka est mondialement connue et très appréciée.